Le jeu est relou. Il y a une porte qui s'est ouverte, mais dis-moi où. Avant que je lui brise le cou. Bon, en tout cas, c'est pas chez les chiens, hein. Bon, c'est pas chez les chiens que c'est pas ici, c'était forcément en arrière, du coup. On a ouvert quoi? Putain, j'ai pas rêvé, j'ai bien entendu une porte s'ouvrir. Vous aussi, hein? Si? Et wesh, c'est ouvert tout cette porte. Le jeu, t'aurais pu faire l'effort de me montrer où ça s'est ouvert, quoi. Quoi, c'est forcément dans cette zone. Ça peut pas être ailleurs, c'est pas possible. Là, je reviens sur mes pas, mais bordel, ça s'est ouvert où? Y a un truc là. J'avoue que j'ai pas pensé à escalader. Mais non, ça serait con parce que... Ça sert à quoi d'escalader s'il y a une porte en plein milieu, tu vois? Et votre corbeau? Qu'est-ce que j'ai ouvert?
On a remis en route les générateurs. Ça a fait quoi? C'est ça qui est mignon dans le jeu, c'est... Ok, j'ai allumé tes générateurs. Ça a fait quoi? Ça a ouvert quoi? Je sais pas, moi, une petite aide? Un petit tips? Ça aurait pas libéré les chiens. Que ça a ouvert quelque chose ici. Non, il y a que dalle. Franchement, ce jeu il va me rendre chèvre. Comment est-ce que les devs, dans leur petite tête, ils se sont dit « Ouais, t'inquiète, le joueur il va trouver, hein !» On sait. Désolé, Dogo. C'est pas moi, c'est la rage, je vous jure. Une connasse! Hein? D'où j'ai pris un coup gratuit là? Au moins on a la clé, c'est déjà pas mal. Du coup, quand on a la clé, qu'est-ce qui va se passer, Jean? Oh. Voilà, qu'est-ce que je disais? Les devs, à cette époque-là, quand ils ont fait ce jeu, ils étaient déjà en dépression anale. À force de s'être fait sodomiser par Eidos.
Hey, petite sauvegarde. Allez. Dites-moi que c'est la bonne clé, s'il vous plaît. Enfin, on progresse, putain. À force, les gens ils vont croire que je déteste le jeu. Et ils auront raison. Le 3, je le déteste. Moins fort. Allez, de retour dans la neige, monsieur. Rien ici. C'est quoi l'intérêt de descendre là-dedans? Y'a rien. Bonjour. Entrez. Mettez-vous à l'aise. Je n'en ai pas pour longtemps. À l'aise? Seigneur, je viens de croiser un homme insecte. Fascinant, n'est-ce pas? Mais c'était un de vos employés. C'est exact. Un biologiste moléculaire, son propre cas l'aurait intéressé. Grâce à cette matière, les gènes qui contrôlent les caractères héréditaires se multiplient. Mais cette conséquence n'est qu'une infime partie de ce que nous pouvons tirer de ce matériau. Vous n'avez vu que le résultat d'une simple exposition au cratère de la météorite. De formidables capacités sont encore à découvrir au cœur même du noyau. Avec ces reliques auxquelles vous tenez tant, je pourrais... Mais la situation vous échappe complètement. Il n'est pas question de créer des mutants, il s'agit d'une accélération totale de l'évolution. Un laboratoire à l'échelle planétaire au service d'une nouvelle race d'hommes. Mais tout le monde n'a pas envie d'être un rat de laboratoire avec ou sans troisième œil. C'est bien dommage, on a tâtonné trop longtemps. Mais l'heure... Mon heure est venue.
Les Polynésiens se sont enfuis bêtement, les marins stupides de Darwin n'ont rien compris, faisant ironiquement passer le grand naturaliste à côté d'une partie cruciale de l'espèce humaine. Mais moi, je ne laisserai rien passer. J'ai la clé du savoir et les pierres. Vous m'êtes tombé dessus en Inde et vous m'avez envoyé retrouver ces reliques. Vous m'avez ensuite amené ici pour écouter votre délire mégalomaniaque. Votre heure est venue, en effet, mais c'est celle de tirer votre révérence. C'est ce que vous croyez. Oh, moi, c'est à quoi ça servait ici. Non, on est à combien de level de la fin là? J'avoue, hein, la cinématique a été magique, hein. Cet tremblement de caméra de fou furieux. Quoi, il reste encore 3 levels avec celui-là? D'accord, hein. Moins que les 3 levels. 3 levels durent 10 minutes chrono chacun, je vois bien, mais. Ok, qu'est-ce que. D'accord que je tourne en rond là, non? Comment ça, je tourne en rond? Et où le petit passage? C'est à quel carré que je dois... Ah ! Ah non, je suis revenu à mon point de départ là. Quoi, hein ? Ah non! C'est bon. Oh.
Ah! Pas vrai, je suis pas là. Monsieur, c'est bien? Ah! On se regarde, il me regarde. Allez les gens, on va bientôt atteindre les 300 millions de save là. Dead. What the fuck is that? Oh mon dieu, j'ai déjà mal à la tête en voyant ça. Être sûr. Il a quand même réussi à m'empoisonner ce bâtard. Hein. Vous allez me dire que ce bouton était juste là pour allumer la lumière. Entrez là. Ah oui! Oui! Hein? Déçu. Pourquoi je pense que ce level va me faire péter un plomb? Si celui-là, il est juste un petit peu labératique et pas trop dur, je peux même pas imaginer la suite, hein. À tous les coups, je dois juste rentrer dedans, non?
J'en peux plus ce jeu! Comment on se met? Ah d'accord. C'est bien, c'est Disneyland avant l'heure, les gens, ça. Et merde! Ça, c'est short le timing pour pouvoir le taper, hein. Retour dans la gueule, connasse. Voilà, bam, dans ta gueule.
Mais comment on fait pour... Pourtant, j'appuie sur la droite pour... Il y a un truc précis à faire. Bim! Mais non, je suis revenu à mon point de départ, c'est une blague. J'ai fait tout ça pour rien ? Ah bah oui, j'ai plus le pied de biche, hein ! Ok, donc on a trois cartes. La question, c'est lequel on doit prendre pour aller dans la bonne zone en premier. Celui du milieu, celui du haut, celui du bas. Vous savez quoi? Ouais, on va aller tous les faire un par un, hein. On va y souffrir, hein. Parce qu'on aime ça, hein. On adore la souffrance, les petits doigts dans le cul, tout ça, hein. Ouais, j'en sortir ici. Genre là. Je hais ce jeu. Juste curieux, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Pfff.